Avant tout, avec vous, mon cher Marc, on va s'arrêter sur la personne de Vladimir Poutine. On a parlé de fou, on a parlé de, de qui est-il vraiment, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Tout le monde a envie de savoir qui est cet homme qui mène aujourd'hui le monde. J'avais esquissé la semaine dernière et puis on a eu Joe Biden qui m'a interdit de parole. Okay. Alors... J'ai appelé Joe Biden. Il vous laisse quelques minutes là. D'accord, il dort. pas très non, non, alors. Il faut rappeler, au départ, Saint gosse. c'est-à-dire il fait partie de ces mômes qui sortent les points à la moindre contrariété. C'est le tyran des cours de récréation. Il n'écoute personne. Et Il a son père qui lui raconte les histoires de ce qui s'est passé à Stalingrad, le, enfin Leningrad, durant la guerre, ce siège épouvantable où il y a eu 2 millions de morts et où les Russes, à la fin, enfin les soviétiques, l'ont Et pour lui, c'est ça la grandeur d'un peuple, c'est d'être plus fort que ceux qui veulent vous tyranniser. Ça c'est l'un des premiers éléments qui lui revient constamment parce qu'à table, c'est ça qui est raconté par la famille. On a aussi un gamin qui a la chance d'être récupéré, je dirais, pour filer dans le droit chemin grâce à une institutrice. Dis donc toi le sale gaillard là, si tu venais... Regardez ce qui se passe, qu'il y a de beau dans notre culture. Et elle l'emmène cheminer dans cette ville qui est bien pourvue en musée. Elle l'emmène cheminer, découvrir ce qui fait l'identité du jeune russe. Je reprends là le mot russe, alors que l'on est en Union soviétique. Il se gave de Pouchkine, il se gave de Tolstoï, il se gave de Tostoïevski. Et puis il y a aussi le sport. Ben bah oui, il faut savoir maté ses instincts et par conséquent il se présente sur un tatami de judo bah, il y a aucun talent, hein. c'est peut-être intégneux mais en revanche comme il n'a pas le sens de la discipline et du protocole il prend des roustres inversables mais son entraîneur, j'ai retrouvé un témoignage dit mais ce qu'il faut savoir c'est que ce moment là, rien ne pouvait l'arrêter il en prenait, il en prenait, il se redressait sur ses pattes et jusqu'au bout jusqu'à la dernière seconde il était menaçant pour son adversaire, tant et si bien que je l'avais surnommé la panthère. Voilà quel est ce gamin. Passons sur les détails. À 16 ans, il n'a qu'une obsession, c'est d'entrer au KGB. faut dire que le père, il est ouvrier dans une usine d'armement, mais aussi, euh, il aime bien susurrer à l'oreille des instances policières quels sont les délinquants, ceux qui se comportent mal à l'égard du régime. Mais il est éconduit car malheureusement, pour lui, il est trop jeune. Qu'importe, il infiltre les services de la ville. Et là, il se laisse aller à cet instinct déjà aussi, créer des réseaux, faire en sorte qu'il y ait des mondes d'influence. Il n'y a pas que ça. Quels sont les renégats Quels sont les dissidents On forme et on dresse les listes. Voilà le jeune Poutine. Et puis, il y a cet institut du drapeau rouge à Moscou. Enfin, il obtient de l'infiltrer. C'est là que l'on forme les vrais espions, ceux qui sont capables de se battre pour la patrie, pour la nation. Il est tellement brillant qu'il est chef de son unité, si je puis dire, de ceux qui sont entrés en même temps que lui. Et quand il ressort, il n'a qu'une idée c'est de pouvoir bien servir. Et pour ce faire, le mieux, c'est de se rendre à l'étranger. En RDA, là-bas en RDA, on a besoin de gens comme lui. Il est incorporé à l'ambassade, conseiller d'ambassade, petit bonhomme qui ne représente aucun danger en réalité. Il est là pour trouver les espions, ceux qui permettront de mieux nourrir le système soviétique. Et alors pour bien comprendre le personnage, il repère un professeur en médecine qui travaille sur les poisons. Poisons qui sont indécelables une fois qu'on les a utilisés. Avec ça, vous pouvez réussir de sacrés coups. Alors il faut l'avoir dans son camp. Et comme l'autre rechigne un peu trop, eh bien pour le forcer, il monte tout un dossier de pornographie. Maintenant, vous filez ou vous ne filez pas. Voilà comment est Poutine en ce temps-là, n'oubliez pas, il est né en 1952, Staline meurt en 1953, il y a Khrouchtchev, et Khrouchtchev, c'est face à Kennedy. Que s'est-il passé quand il a 10 ans Eh bien, il a vu comment la Russie, enfin l'Union soviétique, était capable de tenir tête aux Américains. C'est exactement ce qu'il est en train de nous faire. Aujourd'hui, tout ça sont des éléments qui le galvanisent. Et puis, il y a Gorbatchev qui prend le pouvoir. Et là, il a, est... il effondré. Effondré, pourquoi Parce qu'il comprend que cet homme-là, c'est un homme qui est pour une modernité. Cette modernité, c'est quoi C'est la modernité de l'argent, et ça, ça ne lui convient pas du tout. Et quand le mur s'effondre, eh bien lui aussi, il est éboulé. Alors là... À l'ambassade, on le voit quoi Eh bien, tenir tête à quelques insurgés qui veulent manifester leur joie. Le mur est tombé, soyez avec nous. Et lui, là, il sort le revolver, il tire en l'air, dégagé, et surtout, il prend tous les documents secrets, et il brûle ça dans la chaudière. Et il regagne Saint-Pétersbourg, où là, on a, quelques mois plus tard, les élections, puisque Gorbatchev... Va être euh, malheureusement pour lui condamné à quitter le pouvoir. Et Anatoly Sobchak, qui est le maire, le prend à ses côtés. Quand il revient sur place, il a oublié les conditions idylliques de la RDA, où il était très bien traité. Il faut revenir dans une pièce avec sa femme et ses deux filles. Il a acheté une vieille voiture, et avec cette vieille voiture, il fait un peu le chauffeur de taxi. Et puis, il y a Elsine. Elsine qui commence à filocher et s'accapare le pouvoir, c'est un pouvoir de corrompu car les oligarques ont s'enrichi l'argent, 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 l'argent. Ça, ça le rend malade et pour autant, il est repéré, il se retrouve juste à côté d'Elsine et quand Elsine se sent menacé parce qu'on monte contre lui, il a encore une affaire de corruption, bah, selon sa bonne vieille méthode, il fait quoi il monte un dossier sur le procureur général. C'est un gaillard, on voit une image floue, avec deux filles dans des positions de lucre et de stupre. Et vous voyez, cet individu, il choisit. C'est comme ça qu'il s'impose. Kelsin le prend comme président provisoire. Et la première mesure, qui est la sienne, c'est d'absoudre Edsin et les siens. Eux, ils n'ont pas connu la corruption. Et ensuite, eh bien, il s'attaque à tous les oligarques qui ont violé, si je puis dire, la mère patrie, qui l'ont dévoyé. Il faut redresser ce pays. Forcément, il triche aux élections. Néanmoins, il devient le véritable président. Et cet homme-là, eh bien, tout de suite aura pour obsession d'envahir la Tchétchénie afin de faire en sorte que les Tchétchènes, qui représentent une menace selon huit terroristes, puissent rentrer dans le rang. Donnez-moi trois qualificatifs pour le décrire. Alors, je dirais déjà une sorte d'obsédé du sport. Le matin, il se lève tôt. Non, 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 pas de phrase, mon chéri. Ah bon trois. trois mots. Alors, trois, trois mots. On n'a pas fini, on a beaucoup de sujets. Alors, patriote. Vous avez bien étudié le personnage. Oui. Si ça je demande ça. Patriote. Patriote. tenace Et il le dit lui-même, quand on est au pouvoir, on est seul et par conséquent, il n'y a que lui qui décide. Sachez qu'il a un, un petit manuel de yiking. Le yiking, c'est ce qui permet de prendre des décisions quand on a des doutes. Vous n'avez pas accès <laughs> Merci, mon cher Marc, pour ce portrait.